Ah, le retour de Max. Ah, le retour de Max. Max le gaming. Et du coup, ça a tué côté virus? Non. Non, ça avait pas tué le Yone. J'ai la réponse à notre question. Ah. Malheureusement. Ça l'a juste pas occupé. Par contre, Rivea... Est-ce qu'il y a encore des problèmes de stream? Bah, on a récupéré Max, mais ouais. On n'entend pas Max, quoi. On n'entend pas Max, ouais. Max, donc, c'est un match. Il y a toujours quelqu'un. Ah, c'est bon. Ah, alors peut-être... Ah. Ouais. Ah, tu es sûr. Tu t'en sors, Max? Tu es Ouais, ouais, ouais. Tu es. Ok. Tu peux respect la game, normalement, vu que j'ai pu le faire, moi, donc... Pu le faire. On est en 1-5. Du coup, il n'y a pas eu de kill sur Varus sur Yone. Et là, actuellement, un beau usage de cleans pour Tanguy. Oh, c'est fine. Ok, bon. Bah, je vous laisse pour le stream. Yes, salut. Salut. C'est vraiment le stream maudit, quoi. Entre le bug Rito, puis non, c'est le bug Max. D'ailleurs, on ne le re-entend plus. Okay. Ouais. Ok. Bah, tu... Ouais, il est en train de... Tu peux restream du coup. Ok. Parfait. Je crois que t'es pas. Oh, le Air Jinx qui tue ton lit. Un Air Jinx bien pensé. Ouais. On est à l'heure. On est à l'heure. Je pense qu'on est à l'heure, quoi. S'il le dit, c'est que ça doit durer. Du coup, ça va partir sur un dragon de l'évent. Deuxième dragon pour Hidden Gang. 1-8. Ça annonce catastrophe. Faut que tu replaces les gens. Ouais, le fun, hein. On est là. D'accord, c'est pas le stream de TFT. Ouais, TFT, c'est fine. Hein. Ouais. Ouais, c'est sur un stream. Bah, tu prends le POV de quelqu'un et tu te déplaces. Bah, à la limite, ce qui serait le plus intéressant, c'est que tu les fais tous venir sur le serveur là et tu les mets dans d'autres channels différents et tu te balades de channel en channel sans avoir besoin de changer de. Ah, mais ça fait que tout le monde entendrait ce qui s'est dit. Enfin, quoi que tout. Bah, non, mais tu te fous le mute quand tu te déplaces. Ah, mais si tu veux parler à ton équipe, c'est chiant. Il y a le compte secondaire. Et si tu veux parler à ton équipe de toute manière, tu peux, genre, tu peux full mute les gens et inversement. Comme ça, il y a que les casters qui s'entendent entre eux et que les joueurs qui s'entendent entre eux. Après, est-ce que on va vérifier que personne ne triche, quoi. Même si une info en vrai de TFT. Techniquement, vraiment, TFT tricher, c'est quoi? C'est oh mon dieu, il a dit qu'il utilise une full compo. Ah oui, je peux presser 1, 2, 3, 4, 5 et le voir. C'est un peu ça, TFT, quoi. Sinon, il y a 6K gold de retard du côté Apogée. Ouais, c'est un retard assez conséquent. Après, globalement, du côté scaling, je préfère la compo Apogée, quoi. Ouais, il y a toujours le Vegar. Vegar Gwen. Vegar Gwen est un appui d'un Varus Leta sur des caries. Tu peux les faire disparaître. Mon son est très faible. Comment ça, mon son est très faible? C'est mieux là? Allo. Ok. Faut être très très bon. Oh, mais faut arrêter. Hein. Problème de chien. Oh, oh. Un R Varus en mode je veux pas mourir, laissez-moi tranquille. Okay, un R de désespoir. Les T1 qui tombent une à une côté Apogée.
Il y a Bah, toujours ça la devient T1 compliqué, hein. top qui est encore là, mais Ouais, la T2 qui se fait la T2 en arracher. bot. Ouais, elle devrait tomber, hein. C'est tape fort, Yone sur les tours. Il y a... ouais. Que, ouais, Cache de ils peuvent Vega. se permettre de la prendre, hein. Il n'y a plus le cache de Vegar, ils s'en Ouais. foutent. Ok, il est parti sur On un a Never. R, on n'est pas Il est d'ailleurs. parti sur un Neverfrost, du coup, Vegar. Ah, ça va être problématique, ça, pour l'équipe APO. Parce que sur le papier c'est bien, mais c'est mieux quand t'es au mid, quoi. Ok, il n'y a plus de flash sur cette Lulu. Il y a deux Jingles, la jungle de ce Jarvan n'est plus la jungle de ce Jarvan. Et il a toujours autant de CS que la... Ouais, mais elle hein. avait déjà elle avait un retard de CS assez conséquent avant. Ouais. En plus on est Virtue Radius comparé à un Estropieur. Enfin, pas un Estropieur. Un Guardrinker. Un Gordrinker, ouais. Et ouais, Eviscérateur ou Guardrinker. Eviscérateur. Personnellement, je trouve que la Virtue Radius a plus de value. Globalement pour ton équipe, quoi. Logique. Il y en a qui se sont endormis sur le chat, c'est pour ça. Ah là, je pense que waouh, on est sur beaucoup de fun. Aucun bug. Vive le gaming. Le nombre de wards au mètre carré dans la jungle de Pi. Ok, ça engage la Gwen qui va juste récupérer la ward. Juste récupérer la vision, on peut pas se permettre de forcer grand chose malheureusement. Je me dis aussi c'est que classé jeune ils auront un bon engage mais un bon tank aussi pour absorber les dégâts. Et c'est sûr, hein, en plus. Ils ont bêté alors que Jarvan Virtue Radius Virtue Radius quand tu all-in, même si tu rates ton R, tu deviens un pack de soins pour toute ta team. C'était très intéressant. Oh. Et en plus c'était difficilement tombable pendant la Virtue Radius, quoi. C'est 10 ou 15% de HP max que tu veux. Ouais, vu que bon, c'est un bon gros tank, sais-je. C'est assez violent. Je propose plus de résistance que Apogée alors que je suis bronze 3. Ouch. C'est trash talk. Après c'est pas cool de trash. C'est pas super ça. Pourtant ils sont à leur apogée, oh là. Ah là, ouais, là, les blagues qui volent très très haut, aussi haut que ce dragon des montagnes. Milo qui est on fire. Ouais. Ouais, c'est... Je pense que c'est un peu contestant, ils sont très très loin, ils sont jamais un Drake. En plus, c'est dur de contester un dragon déjà quand t'es en retard, mais en plus quand c'est fait aussi vite qu'avec une Cassio. C'est difficile. Ok, il va faire catch, Tanguy. Qui s'est flash in, il va pouvoir mettre des dégâts. Lulu qui devrait tomber, Lulu qui tombe. On essaye d'aller trouver cette Jinx sur la backlane, mais on doit flash parce qu'on voit la Cassio en side. Johnny qui va pouvoir fuir de la cage de Vegar et se replacer. C'est pas juste Lulu qui va mourir là-dessus. On a pas. On a... Au si top, le R on de Vegar un 1-1. Ouais, ce sera gagné par Yone. Malgré le R Gwen. Gwen n'a pas été assez immune. Ah, surtout que Yone était un peu trop feed. Ouais, bah là il va avoir bientôt son Lio. Et on sait que Lio sur Yone, c'est un peu fort. C'est le full bleu là. Bah là il aura 100% de crit. Et après. Et derrière c'est juste des résistances plus de... ou alors plus de vitesse d'attaque, quoi. Pour bien taper. On reprend la vision. On reprend la vision dans sa bot side jungle. Là ça va vouloir jouer autour du Nashor côté Litten Gang et ça va être difficile de pouvoir le contexte pour apoger. On a toujours pas pris de T1. Il y a Cassio qui va side. On va mettre qui en face de cette Cassio. Le mieux, c'est vrai qu'il y a Gwen n'a pas. Il n'y a pas de TP de up, donc le mieux c'est peut-être limite disleaf. Hein. Le laisser farm sur son Vegar et espérer que ça passe. Mais il faudrait récupérer cette Morgana et juste laisser les disleaf seul, je pense. C'est vrai moi que...
Au vu de la game et au vu qu'il est sur un site de tir, je dirais. Allez, 115. Ouais, j'aurais dit une centaine aussi, moi. Je pense que c'est faible. 144, 144. Ça stack bien quand même, les gars. Ouais, mais ça reste pas fou. Hein. Après, il a pas de kill, donc logique. Mais kill ou assist, c'est. C'est aide, mais. Mourir, sera... c'est pas sera un 2 pour 0. On va prendre le nashor derrière. Le nashor peut être pique. Gratuit. Ils l'ont gratuitement. Bah là, je pense qu'il faut vraiment pas laisser les runites avec 10 cliffs. Hein. Faut essayer de récupérer Morgana pour pouvoir faire des catchs. Parce qu'ils ont. Là, ils ont joué en 3 versus 4. Et globalement, de toute manière, au bot, il va rien se passer. Hein. On a une bon potentiel de dépush grâce à Vegar. On utilise l'exo sur cette Cassiopeia. Il va falloir le all-in. Sauf que c'est assez tanky. Le arc a été claqué. Ça fait zéro dégâts. Cassiopeia qui va défoncer. Non, je pense que c'est la merde de Gwen. Ouais, Gwen qui va être tué. Ouais, au moins l'interruption part sur Rivea, c'est pas plus mal. C'est l'une de leurs conditions de victoire, je pense. Une Gwen late game, c'était. Bon, on l'a vu hein, pendant les Worlds, on l'a vu pendant les matchs de LOC. Gwen, c'était toujours une valeur sûre en late game. Une fois que t'es deux systèmes plus Rabadon, t'es heureux quoi. Mais je pense que là, déjà avoir plus que cette Dent de Nashor, c'est. Dent de Nashor qui maintenant donne de la CDR, parce que le build a changé. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, je me demandais ça coûte 3-4-2. Mais c'est justement pour faire Dent de Nashor. En vrai, je trouve ça beaucoup plus fort d'avoir de la CDR sur la Dent de Nashor, parce qu'en général, c'est des auto-attaqueurs qui. Oui, d'accord. Sont, forcément de la CDR. Après le problème c'est qu'avant tu jouais, enfin il y a juste un champion qui déteste un peu ça, c'est Kai'Sa, où t'étais heureux de pouvoir faire une Dent de Nashor pour pouvoir avoir avec seul cet item le buff du Z, ce qui est plus vraiment possible vu que maintenant elle est à 90 AD je crois d'AP, donc il va te manquer 10 AP pour de Kai'Sa AP. Ouais. Un peu dommage. Ok, c'est Johnny qui va all-in avec sa vertu radieuse, Yone qui va trouver le kill en follow-up. Ça va partir sur ce Jarvan. Un bon zoning de la part de Disleaf, mais qui devrait tomber. Non, c'est bon, il arrive à mettre sa cage. Il a mis une cage vraiment pixel. Hein. Ouais. Ça va quand même le dive et il va tomber. Ouais. Ouais, le Archings qui a pris, ça va prendre la tour avec le buff d'attaque speed. La Cassiopeia qui est en position assez compliquée, elle est enfermée sous tour. Elle va tomber, l'interruption. Elle a encore une interruption. Après, elle a 212 de. Ah ouais, non, mais du coup, ils ont récupéré deux interruptions. Elle doit être bien en gold. Ah, après, il y a moyen que l'interrupt ait pas été proc sur sa dernière mort parce que les deux kills qu'elle a fait étaient consécutifs. Et que le temps que le jeu donne une prime, potentiellement, elle en avait pas avant. C'est possible aussi. Kai'Sa est full build avec Nashor tous. Le bonus AP je veux voir même pas de chute, mais je crois que si il a été réduit. Ils ont appelé la CDR. Ils ont. Parce que je pensais qu'ils avaient foutu un amplifying tome et ils avaient réduit l'AP, mais non. Ok, my bad. Je l'ai pas encore lu. Donc c'est juste 200 pour 15. Bah 200 pour 15 de CDR, c'est plus que rentable. Hein. Je vais faire un petit Jax là. Donc 15 de CDR. Vu les ratios AP du stuff de Jax. Ouais. J'ai une pub, les monos c'est nimp. Ouais, si on peut mettre des subs, t'as forcément des pubs. C'est monétisé. Bah, bien fait.
Et le très beau R de Yone qui va permettre de ne pas se prendre la flèche de Varus, même si c'est pris le R. Très bonne idée ça de lui d'utiliser un cast pour s'enfuir d'un ultivarus. Oh, Pizuki va récupérer ce lican. Ouais, ils sont un peu en souffrance Apogée actuellement. Ouais. Ouais, je pense que c'est parce qu'ils ont pas pu jouer avec les persos gratuits. Hein. C'est à cause de ça. Hein. Ouais, ça doit être à cause de ça. Ok, Gwen qui est en plein milieu de la mêlée, qui met des bons dégâts. Elle se fait stun par Sejuani. Sejuani qui va sur cage. Jinx qui va derrière avec ses dégâts. Jinx et Sej qui tank tout l'univers pour cette Jinx. Jinx qui est free DPS. Triplé de cette Jinx et normalement ça va signer fin de game. Ice, ouais. Ça devrait signer une fin de game grâce à l'attaque speed de Jinx. Ah bah ils ont carrément déjà quitté la partie. Logique. C'est sûr. Ok. C'est du 1-1 je crois. Je dis pas de bêtises. C'est du 1. 1-1. Donc ça va partir sur Minecraft. Donc on va forcément finir sur de la TFT. Non, pas forcément. Enfin, on va forcément jouer les on va forcément jouer MC et Valo. Mais c'est pas forcément TFT. Après là, il y a la même équipe, mais MC et Valo, il n'y a pas de TFT. Ah, ça serait bien d'avoir un petit TFT en vrai. Avec la gun d'hier. Le set TFT qui n'a aucun sens. Bon, par contre, si je revois des gens qui mettent pas leurs items, je vais faire un massacre. Hein. je retrouve leur adresse et je leur écris un message bien salé. Je sais où habiter, ok. Ok, ben 1-1, ça va partir sur Minecraft en espérant que les serveurs ne soient pas cassés cette fois. Ouais. Moi, je vais vous laisser et. Là, c'est toi sur MC. Y a moi et j'ai pas vu qui était le second. Ok, bonne pause à vous et okay. Bien joué pour la game aux deux équipes. Joueur au besoin de récupérer. Yep. Va falloir théorie strat les crafts sur Minecraft. Ouais. Au boulot chômeur. Ah ouais. Ça call out les gens quoi. Bon, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour casse du Valorant. Hâte de voir comment ça va tourner. Bisous. Du coup, on vous dit aussi à tout de suite les viewers. Dans 5-10 minutes, je pense que ça devrait être.
Et re tout le monde. De retour. Ça fait pas trop longtemps quand même. Ouais, c'est quoi, quoi c'est... Comme... c'est 15 minutes déjà comme ça. Wouah. Et ça risque de durer encore, je sais pas. Ça, ça va se régler d'ici peu, on l'espère. La nuit est arrivée, mais. Ouais, normalement ça devrait aller. Mais en tout cas, on part. Quoi qu'il arrive, on va partir sur, sur Minecraft. Donc, alors, Minecraft, le principe. On va le réexpliquer quand même pour ceux qui, donc, qui connaissent ceux pas. Ceux qui étaient pas lundi. Et ceux qui étaient pas là, on sait jamais, ça peut arriver. Lundi. Alors, simplement, on va partir. On va partir en Minecraft Bingo. Donc, le format, c'est un BO3. Donc au maximum 3 parties de bingo qui dureront au maximum je sais 15 minutes. 15 minutes, ouais, moi je pense que c'est 15 minutes. En général, c'est rapide. Ouais, il me semble que c'est 15 minutes. Et en gros, les joueurs auront une grille d'items à crafter ou de succès à réaliser sur le jeu. Ça peut être dans le Nether, dans l'Overworld. Non, il y a que l'Overworld. Il y a que l'Overworld ? Ouais. Ouais, ok, donc que des items à craft et que dans l'Overworld, donc ça va. Ou à trouver. Ou à trouver, ouais, tant que l'item il est dans ton inventaire, je pense que ça passe. Ouais. Et donc la première équipe à compléter une ligne de ce bingo remportera une manche. Tout simplement, il faut gagner 2 manches pour gagner le BO. Rien de plus compliqué. Mais ça peut quand même... Ça peut quand même réserver des surprises parce que il y a quand même des strats à mettre en place selon les items qu'il y a. Ils sont 4, je crois. Ils sont 4 sur la map. 3, ok. 3, bah, c'est... 3, 3, okay. Ouais, donc 3v3. Et donc il faut bien se répartir les tâches pour crafter les items le plus rapidement possible. Donc j'ai quand même hâte de voir les stratégies qui peuvent être mises en place par les différentes équipes. Parce qu'en vrai, ça peut tout changer. C'est les petits détails qui font les grosses différences en général. Que bon, si crafter une pomme en or, tout le monde sait le faire, mais quand on va demander de crafter un cristal de l'End, bon, il y aura pas de cristal de l'End pour le coup, mais c'est un exemple comme un autre. C'est des systèmes beaucoup plus compliqués à craft où ben il faut par exemple explorer, je sais pas moi, des temples de Guardian, ça peut arriver, trouver des structures particulières. Il y a une petite éponge là. Ah l'éponge, oh les. Imagine tu dois faire. Y a pas un item que tu craftes avec pas qu'une éponge, parce que une éponge, déjà rien qu'à récupérer, c'est une galère. Ah ouais, bonne chance. Après, faut juste trouver le temple de Prismarine. En général, il y en a dedans. Et faut trouver un moyen de tuer l'Elder. En fait, ça dépend. Parce que si tu dois juste avoir une éponge, t'as pas besoin de tuer l'Elder. Parce que l'Elder drop des éponges, mais je peux en avoir sans le tuer forcément. Ou tu peux en peut-être. Je crois qu'il y en a aussi. Il y en a dans le temple en fait. Ouais, ouais. Mais ça dépend. Ouais. Pas tous les temples. Ouais, dans certains temples, il y en a. Bon voilà, c'est à peu près tout pour le principe. En vrai, je connais pas les niveaux des équipes sur MC. Malheureusement, il n'y a pas de Minecraft Tracker. Donc je pourrais pas mener mon boulot de journaliste, comme c'est dommage. Il n'y a pas de Grandmaster. Il n'y a pas de rank sur Minecraft, c'est toi et tes clics. Bonne chance. Max, check les messages. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, j'ai pas. Je crois qu'il s'est pas actualisé le chat de mon côté. Attends, je vais quand même regarder les items les plus difficiles à crafter quand même. Parce que dans tous les bingos que j'ai fait, il y avait aussi l'End et le Nether. Donc en général, les items bien durs à crafter, c'est genre, ouais, il y a cristal de...
Cristal de l'End. Du coup, il faut tuer un Wither pour pouvoir le crafter. Il y a... Attends. On va quand même mener les travaux de journaliste, quand même. Faut quand même se renseigner. Attends. Hop. Alors. J'ai le wiki. Minecraft. Hop. Et quoi? Y'a pas? Je peux pas y croire. Hop. Oh. Ah ouais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Normalement, on n'aurait pas de serveur. Il n'y a plus de serveur. Faut créer. Ok. Attends. Ah ouais, attends. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais, un beacon. Bah mais non, beacon, il faut une Nether Star, donc je dis de la merde. Ouais, donc les éponges, il y a les éponges dans l'Overworld qui sont ultra dures à avoir. Les 6 lanternes, ouais, bah, c'est moins rare que les éponges, mais quand même. À tout moment, tu tapes une terracotta. Ah mec, les têtes. Les têtes. Et les CD aussi, mec. Les CD. Tu sais comment... Les CD, ouais, c'est comment on fait pour les avoir? Ouais, il faut... Soit tu peux en drop dans des coffres, soit il faut tuer un creeper avec un squelette. Ouais, c'est ça. Soit dans les coffres de spawner, etc. Soit en tuant un creeper avec une flèche de squelette. Donc faut qu'un... Un squelette tire sur... sur le creeper et que ça le tue. Y'a quoi? Y'a les cœurs de la mer. Ouais, bah ça, y'avait... Bah, c'est quoi, c'était lundi? Avant, ouais. Enfin, il était dans le. Ouais, il était sur le bingo. Ouais, cœur de la mer aussi, c'est dur. Ça c'est dans les épaves que t'en as, non? Ouais, tu peux en trouver dans des épaves. Ou. Non, ça se crafte pas, ça je suis ouais, sûr et certain que ouais. Ça se crafte pas. Tu peux en avoir. Attends, comment tu peux en avoir? Tu peux en avoir. Ouais, regarde, this rare item cannot be crafted. Dans des épaves des fois t'as des ouais il y a, ouais, y a des voilà en fait, regarde, je vais te dire il y a quoi, il y a les épaves et les ruines dans l'océan, ouais, elles sont seulement dans les, en fait tu vois, pour les avoir dans une épave, c'est pas dans les coffres de l'épave, c'est dans la carte au trésor. Oui, ouais, t'as une carte au trésor et tu dois aller trouver le coffre. Ouais, voilà, c'est ça sable. Ouais, les disques, après Les bannières. Non, les bannières, en vrai, c'est facile. Pomme de notch, mais pomme de notch, elle y est plus dans les nouvelles versions. Tu diras les bannières, si tu prends un colorant marron, genre trouver du cacao. Il y a des trucs qui peuvent être chiants. J'avoue. Mais la pomme de notch, là, la pomme cheat, elle est plus dans les nouvelles versions. Si, moi, je m'en prends 8. Elle est trouvable uniquement dans les coffres. Ah ouais, genre, tu peux plus la craft. Ah oh ouais, bon, ça fait très très longtemps que je crois que tu peux plus le craft. Moi, je joue en 1.8 en général, hein. Je suis des survies en 1.19. Hein. On va être tombé. En vrai, les blocs, tout ce qui peut être bloc qui nécessite la cohérence. De quoi? Tout ce qui est bloc qui nécessite un colorant, genre de la laine, je sais pas, tu dis de la laine violette, des trucs où tu dois. Ça va pas, hein. T'as un flower forest et c'est bon, hein. T'as quasiment tous les colorants. Mais hein. Il faut le trouver, le flower forest. T'es en plein plein biome ice. Le biome paquet d'ice. Mais est-ce que, par contre, est-ce que c'est que vraiment que Overworld, tu peux même pas aller dans l'End?
Est-ce que les joueurs peuvent aller dans l'end pour récupérer des élytras et derrière voyager dans l'Overworld par exemple? Et ça peut être une strat, hein. Ouais, ça, mais je pense que ça prenait trop de temps pour avoir une... Ah non, 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 non. En vrai, ça va. Si tu mets une personne qui s'en charge et qui ramène des élytras pour tout le monde, après ça va ultra vite, hein. Un qui s'occupe des enchantes, il fait du mending et puis voilà. Bon, mais en fait, non, bah non, si c'est 15 minutes max, ouais. 15 minutes, ah, il faudrait être fort en speedrun, quoi. Ouais, non. En fait, ça, c'est War sur les gros bingo. Tu dois faire toute la grille. Ouais. On a des infos sur le serveur, comment ça se passe, puisque... Ok. Le temps que ça se remette. Ok, ok. Un petit switch de jeu. De quoi ? Casser le lampadaire. Après, tu le lampadaire, il a tout cassé avec lui. Les serveurs étaient down. Mais entre deux, est-ce que les serveurs, ils allaient ? Parce que lundi, ils étaient down. Enfin, apparemment, ils étaient down depuis samedi. Mais est-ce qu'entre deux, ils ont été réparés ? Bah oui, vu qu'ils ont pu jouer quand même le BO. Ouais, ils ont réussi à le réparer. Mais alors pourquoi ? Ouais, c'est encore. Bonne question. S'ils foutaient avec les serveurs. Hop. Ok, donc on va partir sûrement sur Valo. Le temps que les serveurs Minecraft daignent refonctionner. Hop. Allez, salut. Comment ça va? Du coup... Non, allez, mais... Où non, Ok, pour avoir le délai. Ah oui, le okay, ah, okay, faut le délai sur Valo. Ah, il faut les 3 minutes. Hein. Et oui, pour pas avoir de stream hack évidemment. Donc, petite pause. Bah, dans 3 minutes. Voilà. Tu...